c'est que la plupart du temps, quand on prend une mission, un projet, on part des données, des réunions avec les acteurs et on fonce directement dans le travail et la production de rapports ou alors la production d'analyse des données. Ici, c'était le contraire, c'est-à-dire que ce n'était pas lié à la data en tant que telle, mais c'était réellement lié à la valeur ajoutée que produit chaque sujet. Et ça nous a permis de ne pas nous limiter dans notre expression ou dans notre façon de voir les choses et d'avoir une vision qui était décorrélée de la partie technique et data. Je suis d'accord. Et en plus de ça, je dirais que par les différents ateliers, sous-ateliers qu'il y avait dans l'atelier, ça permettait vraiment de libérer la parole de chacun. Même ceux qui n'ont pas forcément le rôle de proposition d'habitude. Et en fait, le fait d'avoir l'avis et les idées de tout le monde, c'était vraiment moteur d'innovation. En plus de ça, il y avait quand même des manières de travailler et des supports de travail qui sont assez originaux par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et en fait, ça stimule pas mal la créativité. Et puis le fait que ce soit participatif et le fait que ce soit avec des post-it, avec sur quelque chose de très visuel, a permis tout de suite de savoir sur quelle voie on pouvait aller et sur quelle proposition on pouvait faire.